Ça va tout le monde? I'm like, oh là, ma Jordan, I'm a simple for you. Yeah, 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 yeah. Hello, Wadi. Hello, Fred. How are you? Yeah, yeah, yeah. Dégustation de Chenin blanc d'Afrique du Sud. Addy Badeners. Chenin blanc d'Afrique du Sud. Sud, on l'appelle Steam. C'est ces cuvées parcellaires qu'on connaît tous le sécateur, selon les SAQ. Ça, c'est des cuvées plus intimes qu'on importe en importation privée. Il y en a quatre. Dépendamment des millésimes, il ne les fait pas toutes. Et puis, donc là, on va passer à travers les quatre. Dégustation comparée de ces parcellaires. Celle-ci est. Golden Slopes. The Golden Slopes is a slightly older vineyard than Dasiko, planted in the early 1960s, high up on our farm, 330 meters, 1,000 feet above sea level. It's a wine that's rich and textured. It's a lot of it's granite, but with a bit more clay, so there's a lot more weight and extract in that wine. Moi, je suis dans l'élevage un peu. Ouais, vraiment. C'est du côté-là. Donc ça veut dire qu'il y a du bois. En plus du fruit, de l'espèce d'expression du vin, il y a un peu d'élevage, donc des notes de bois. Ah, fuck, c'est bon. Ça semble centré. Moi, je l'ai pas mis en bouche, là, mais tu sais, derrière le côté bois, on sent que ça se resserre. C'est centré, c'est frais. Un peu sur l'amertume. En final, ça donne de la soif. Wow! Pied. Comme le climat est très généreux, donc Ali va vinifier ses vins pour les garder avec une belle tension. Puis ça me rappelle l'idée d'un vin nature en France. C'est cette espèce de réduction levurienne. C'est pas des vins nature, ils sont sulfités juste comme il faut. Mais donc il y a cette belle restriction-là, cette belle retenue-là. Ce qui fait aussi que la lecture est claire en bouche. On a cette espèce de salivation, acidité-là. Retour en bouche, très salivant, presque salin. Mais bon, c'est très... les fruits jaunes commencent à s'ouvrir. Ah, c'est hyper gastronomique. Pas de feuilleté, peut-être. Mais moi, l'utilisation du beurre cuit, là, ouais. Que ce soit en croûte, en sauce, en ci, en ça, mais on peut y aller, là. Ouais. Donc là, on est sur... 18. Golden Slope. 2018. Palomino. Cépage andalou, sud de l'Espagne. On retrouve en Afrique du Sud des cépages qui viennent autant du Portugal, de l'Espagne, de la France. On expérimente. Il y a eu autant de cépages qui sont arrivés que de gens qui sont passés dans le secteur. La découverte des terroirs de ce Palomino-là est une espèce de révélation. Donc là, on est à 150 km de la montagne du Port de Burr où est installé Adi. Et puis pour qu'il fasse cette distance-là pour aller chercher ces raisins-là, c'est parce qu'il y a un sacré terroir. Right on the ocean, grown in these amazing limestone soils, a very old vineyard. And we always get that saline character in this wine. That's why we call it salt of the earth. The people from that area are fishermen. They live in rural lives and they are people that are salt of the earth. They give the world flavor. And when you dig in that soil, you dig 30 centimeters down and you pick out pieces of chalk that you can write on a board with this amazing chalk. Coup de cœur, là, chez Coup de cœur, Palomino, là, parce qu'on ne croyait tout simplement pas qu'il y avait des vins aussi digestes, aussi filés que ça, qui pouvaient se faire dans ce pays-là. Palomino. Avec un nom encore imprononçable, Saup van die Aarde. On va laisser prononcer. Salt of the earth.
sout van die aarde. Palomino, on a un projet avec Ali de faire un vin un peu sur mesure pour le Québec, Papahai Blanc, assemblé avec un peu de sémillon pour le jazzy. Ça, c'est le vignoble, c'est la source. C'est la vibration en vient de là. Et puis donc, ça correspond là où c'est le consommateur du Québec qui veut des vins tendus, minérales, rafraîchir le palais. J'ai bien hâte de goûter les 2018 de ce vin-là. What I think is important to remember, especially when you're tasting our white wines, is that we are a warm area. We are not the Loire Valley. We are not about acidity and freshness and this line of acidity and directness that runs through the wines, but we're about texture and fruit, yellow fruits, more expression for me aromatically. Souvent les sols de craie comme ça, t'as vu la tension de bouche, ça te ramasse la salive comme ça. C'est grand rien ça. Ceci ne vient pas d'Afrique du Sud, n'est-ce pas? Non. Mais où sinon? Non, mais c'est-à-dire que la sensation de bouche, tout ça, c'est pas chaud. Tu te ressaisis, tu dis, ouh, quel est ce grand vin? T'as l'impression de le connaître, mais tu le connais pas. La complexité aromatique, tout ça, la fraîcheur nous amènerait dans le grand chablisien. Dans... C'est drôle parce que c'est mince et profond. C'est ça. C'est ça qui est déroutant. Il y a peu de vins comme ça. Puis tu vois, il y a des trucs qui nous ramènent un peu chez nos amis d'Invinaté sur les terroirs volcaniques. Puis il y a une parenté aussi, hein, Listan Bianco Palomino, au niveau du cépage, mais... Wow! Excellent! Chris, c'est bon! Ouh. Tinta Barroca? C'est un peu le Joker. C'est vraiment le Joker d'Afrique du Sud. Cépage d'origine portugaise, on le retrouve dans le Douro. Adi aime dire que c'est le cépage qui rapporte de l'intensité, de la vivacité. It's called Skavanky's Flay. Skavanky's Flay. Okay. Which means a place of gusty winds. It's an area on the farm that there's a lot of gusty winds. It's bush vines, Tinta Barroca plant in the early 1960s. I don't know, just a fantastic grape. We use a lot of Tinta Barroca in the winery. We use a lot in our blends. It just adds that freshness. It's so it's the Cunoise of the Swartland, to be honest. Il nous a comparé ça, le beau Ali, à de la Cunoise. La Cunoise. La Cunoise. Tout le monde connaît la Cunoise. Dans les 13 cépages de Château Chopin, la Cunoise fait partie de celui-là. Le bonus. Il faut être capable de le retrouver par contre en dégustation. Donc c'est souvent des cépages anciens qui savent s'adapter au réchauffement climatique qui ramènent toujours cette belle drive au niveau de l'acidité. Ça en donne ça. Hein? On a raclé les feuilles à l'automne. C'est ce côté un peu en décomposition végétale fort. Wow! C'est précipité de fruits. Je confie juste à la limite, là. Tu sais, t'as rien de désagréable, ça reste hyper frais, mais... Even though our white wines are more textured and richer than the reds are finer, more acidity, but they've got that line of freshness that runs through all of them. Traditionnellement, ça me faisait penser à Bordeaux. La feuille du Bordeaux, le machin, là, pas partout. Une grande Syrah de Mentia, de... Dans la Ribera Sacra, je sais pas. Ben, oui, ou même les vins de... Mais c'est beau, pas, hein? Verdio, Raul Perez, puis tout ça, qui font des vins espagnols sur la fraîcheur, mais avec toute cette richesse-là. Il y a... Mais le corps de Syrah est vraiment intéressant. Ouais. Puis Ali, c'est un gros doudou qui aime bien la vie. Les tanins sont toujours bien assouplis, donc le jus de l'élevage, c'est là le grand vinificateur, c'est de savoir sortir son vin du fût juste au bon moment pour qu'il préserve sa fraîcheur, mais qu'il se soit ouvert juste assez. Là, c'est ça coche. C'est prêt à boire.